Ben écoute, si jamais tu viens, puis t'as besoin d'une place dans une chambre, moi j'ai un Lee Queen de disponible dans ma chambre. Ben moi je vais souvent faire comme l'an dernier puis dormir dans le Lee Queen avec Wax. Oh, ça c'est sexy, ça. Sa machine d'apnée de sommeil. Ça c'est quand même très très sexy, ça. Tu nettoies. Alors, avec le set commence. Ça commence pour vrai. Je suis Lexi contre Fly, ce que là, j'ai une mauvais bonhomme. Merci. Ah, oups. Tiens. C'est ça que j'avais bien fait. Et voilà. Et donc, voilà. Ça commence. Donc, Sheik Falcon, c'est un match-up que les gens pensent. Ben, c'est clairement en faveur le de Sheik. Oui, c'est en grande faveur de Sheik. Tout que... le monde en mémoire. Non contre Captain. Voyons. Face Roll? Ouais, Face Roll, c'est ça. Contre Face Roll. C'était tellement triste pour nous. Ouais, c'est pas un set que j'ai eu la chance de regarder, mais. Ben moi, j'ai vu et revu. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu et revu ce set-là, puis à chaque fois, je vois. Ouais, c'est triste. Yeah, je peux comprendre. Mais c'est que. Tu veux que Falcon fasse quoi pour se sortir de Down to Tech Chase, right? Il fait juste pas. Faut qu'il. Tu peux juste prier, dire Sakurai, pourquoi? C'est ça, parce que Falcon, de ce que je sais, il n'y a pas des bonnes options défensives. Même dans Roll ni dans Spot Dodge, son. Ouais. Son option la plus rapide, c'est Jab. Jab, c'est pas si bon que ça pour Falcon. C'est on, non, fly hey off boy. Stage. Et c'est dangereux, ça. C'est puni par hey. Moulinet Lexi. Mais c'est pas allé si pire, regarde. Au final, Flies a démontré. Ah, oh, il a raté le Downtown Tech Chase. Allez, ben c'est parti. Il est en dans ses bouts. Ben non, Flies. C'est pas compliqué. Ben, parce que il manque une petite tâche. La façon de pratiquer Downtown Tech Chase, c'est faut que tu commences par te pratiquer à réagir à Tech versus ton Tech. Ça, c'est la première étape. J'ai rien, la première étape, c'est apprendre à sortir frame 1 de ton grab. Ben genre, je parle. Mais t'as pour te défendre ou de l'avoir? Oui, mais j'ai entendu parler que Frame 1 act out of whatever, genre. Ouais. Dans le cas de Downtown Tech Chase, c'est pas si pire que ça pour Sheik. Je comprends que... Ouais. Je peux comprendre que toujours être actionnable le plus rapidement possible, c'est très pratique. Ouais. Ça te permet toujours d'ajuster ton spacing le plus vite possible, d'avoir plus de leniency quand tu as Tech Chase après. Mais je pense que ce qui est plus limitant dans le Downtown Tech Chase de Sheik... Ouais, le regular get-up. C'est ça, ouais, c'est ta réaction au get-up plus que le nombre de frames que tu as disponible pour agir. Parce qu'il n'y a pas un moment... Ou est-ce que tu vas voir l'option que ta Sheik sera pas actionnable, ouais, même si c'est un peu lent? Surtout que Get Up Attack, ça se fait super vite. Hein? Oui, Get Up Attack, ça se fait très vite, puis c'est pour ça que c'est très important de réagir à No Tech avec Crouch, puis de ne pas réagir à Tech avec Crouch, parce que ça te rend vraiment plus difficile, ça te coupe des frames. C'est un SD sans. Pis sans le, bon sens. Puis le point a pas été du bon côté. Ouais, ça a de la misère aujourd'hui, je sais pas pourquoi. On dirait que quand on swap les noms. Ça swap pas comme kick win. Yeah, non, ben j'aurais cru que c'est genre ça lit l'écran, puis quand ça voit game, ça regarde c'est lequel des deux personnages qui reste des stocks. Ben là. C'est plus bon. Qu'est-ce que ça fait? T'as plus ça donner le point à Flyskiller encore. Mon dieu, on en arrête. Yeah, je viens d'entendre une Sheik rencontrer une blason. Oui, puis c'est présentement Julexi qui mène le score 1-0 avec Flyskiller. FOD counterpick, évidemment, la hauteur des Falcons, la hauteur des plateformes. Des plateformes pour Falcon. Ça peut être vraiment problématique, comme ça peut être bénéfique, comme on disait, un stomp qui pogne. Oui. Un stomp qui te hit pendant que t'es en dessous de la plateforme de même, là, c'est tellement pas le fun. On s'en sait. Mais. Pour Sheik, t'as quand même certaines situations d'avantage qui existent. Là, c'est super c'est ça, fun comme plateforme pour Sheik. Soft back air, ça lead nulle part. Il aurait fallu aller chercher une autre idée de combo là-dessus. Super belle angle par contre pour aller au ledge. Le ledge dash qui est raté, on est à Evo 2017. 2018, Evo 2018. Il y a eu beaucoup de ledge dash manqué à Evo 2018. Il y a eu beaucoup de caméras qui sont tombées aussi, qui ont. Qui nous empêche d'avoir un merveilleux du visuel sur... Je te laisse t'en occuper. Oh! Flies! Huge bear! On a entendu un beau Falcon qui a rencontré la Blast Zone une fois de plus. Une petite date avec la Blast Zone. Et yep, puis il en est revenu célibataire, malheureusement. Oh! Jab Reset, ça a été SDI up, mais il n'y a pas eu d'action après ça. Super! C'est super bien passé pour Lexi. Ça se bat dans le coin, là. Ben oui! Allez, up throw, moulinet. Oh, il a pas trouvé le nid! Il y avait un petit moulinet trop, je pense. Imagine, man, tu joues un bonhomme que tout ce qu'il y a à faire, c'est moulinet nid, puis tu rates le nid. C'est genre, tu manques 50% de son bonhomme. Tu dans la cuisine, puis tu oublies de starter ton four. Ben oui, man, c'est genre, tu manques la moitié de l'opération si t'avais juste à appuyer sur le bouton pour le starter, là. C'est pas dur! Je suis sûr que tout ça, by the way, parce que je sais que Julexi va checker ce set-là, puis je sais qu'il va chialer dès qu'il va entendre ça, là. Puis en plus, ils ont parlé de Dantroni. Ben, Dantroni, c'est pas facile, là. Oh, la plateforme qui est à la pire. Mais Julexi qui nourrit c'est un pas true stock-là. Non, effectivement, on est en semi.
Ouais. C'est. Ben, je pense. C'est-tu Winner's Finals? Oui, c'est Winner's Finals. C'est Semis. C'est Finals. Big Fish Finals ou Semis? On a failli faire 1$, regarde! Ouais. On aurait pu avoir des earnings à mêler. Le pire, c'est que la dernière fois que j'ai fait top 5, on ne t'a pas assez, fait que je peux y aller. Ouais, je sais. Alors, le stock lead de Gilexic s'est amincé d'une stock pendant qu'on parlait en passant. Oh oui, et voilà. Oh non! Ouais, oh, je pense qu'on a attends, ça a du potentiel, ça a du potentiel. Oh oui. Super beau DI de la part de Gilexic, t'as pas une meilleure situation que ça. Oh, oh boy, mais... ça, uncharacteristique de Flies quand même. Ouais, non, ben Flies, il drop une couple de trucs à soi, c'est quand même. C'est très solid player, regardless. T'sais, il joue une super belle performance mais de Daily. Mais ton, c'est ça. À Ghost Gauntlet, ils ont gagné leur Flash, ils ont gagné le premier set. Ben oui. Tu as un round pour ramasser. Le ben SDIM. Oui. Puis c'est quand même le SDIM de Gilexic qui oh s'en boy, qui s'en on attend, se ramasse. Oh boy, blanc se il aurait fallu un peu là-dessus pour continuer le punish. Oh, ça c'était pas un back throw. Oh mon dieu, clairement. La mobilité sur les plateformes de nos deux joueurs dans cette séquence-là. Oh boy, on a réagi assez vite au tech. Oh, oh non. On a donné. Non. Up throw, up air. Oh, il a pas oh trouvé my l'ennemi. God. Pourquoi il a pas eu de kill là-dessus? Il a encore oublié d'ouvrir son four. Merde, c'est pire qu'ouvrir le four, là. Il a oublié de mettre genre sa bouffe dans le four. Comment ça, ma bouffe avec lui pas, il se vire de bord, le pâté est encore genre sur le comptoir, il est comme. Est-ce que quand tu dis, j'aime starter un café puis tu veux partir de la machine ou ben t'es oublié de mettre ton café dans la machine? Oh, what a back air! Oh, oh gros le Hobson tech, that's huge! Je pense qu'il aurait juste fallu un air là-dessus. That's... Le nerf aurait pas tiqué, je pense. Hein? C'était so huge and needed. Puis, mais quand même, Flies qui se fait donner la game. Ouais, non. Ben non, Flies qui perd la game. Ouais, je sais, mais il y a quand même un point. Ah oh, oui, non. Ah, t'es-tu prêt? T'es-tu prêt? Duke. Duke. Voyons, tout s'inverse. Clique là. Excuse. On va cliquer là. Puis on va faire. Oh, ouais. Ouais, mais il y a des personnages aussi. Non, ok, puis là, switch avec swap d'un coup. Le monde s'entend vraiment hype de charger les scores. Vous pouvez pas voir qu'est-ce qui se passe en ce moment. C'est tellement. On est vraiment pas chanceux. Et voilà, on l'a eu, on l'a eu. Et le fait. Eh hey, oui, hey, le temps d'arranger les scores. Un beau combo, 100 quelques %. Oh, ouais, le stump qui pogne à bonne hauteur. Mais c'est qui est dans le bord de Winner's Semi? C'est Winner's Semi. Je pense que c'est Winner's Finals. Ce serait pas ton frère. Oh, le bon. Non, t'as raison, Big Fish a gagné. Fait que Big Fish attendrait en Winner's Finals. Big Fish. Pas mettre Bix, je vais le faire contre le loser. C'est ça, c'est Winner's Finals, ça. Ah, ben, coudon. Je trouvais ça étrange un peu. Il y a des choses étranges qui se passaient dans les trucs étranges. Mon dieu, il va falloir s'organiser pour que ce soit mieux fait que ça quand on va envoyer notre candidature pour grand monde, hein? Ouais. Est-ce que Federer qui nous sauve encore pour le stream? Oh ben boy, oui. On a essayé le reverse fail, oh. Ça marche, hein? Ça l'a manqué, mais je comprends pourquoi il voudrait faire ça, parce que c'est vraiment high reward, you know? Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, ça l'a renvoyé complètement dans la zone, là. Puis là, un petit appui qui est complètement dans le vide. Ben oui. Oui, le nouveau chandail de Gilexic est particulièrement swag. Il porte un tapis de chambre d'enfant, c'est fantastique. Je sais qu'il dit que c'est un chandail, il dit que c'est genre une couverte. Ouais. Mais moi je trouve que tapis Lexi ça sonne pas mal mieux. Ouais. Oh le nair défensif, boy. On joue Luigi. Pressure dans le coin, super belle réponse avec Short Up Air. Il a rien trouvé après par contre. Mais le. Je sais pas quelle décision a amené Flyskiller à faire un full stack needle ouais, point ça. Blank. Mais ça a marché! Mais écoute, moi, il est meilleur que moi, fait que j'ai pas tant envie de questionner, ouais. Mais j'ai des questions. Non, il faut juste te dire, ouais, j'ai accroché mon bœuf. Il faut dire, ah, je voulais sortir ma chaîne. Ouais, ben, la chaîne, wouchou, wouchou, wouchou. Wow, t'as entendu toutes les needles qui se sont faites. Les needles, ils ont cassé, là. Ouais, ça, c'est quand même un aspect qui est comique avec Sheik, c'est que si tu frappes une Sheik qui charge ses needles, elle drop ses needles, ouais. Tu peux frapper les needles. Fait que des fois, ça fait des situations qui sont un peu funky avec les hitbox qui durent plus longtemps qu'ils devraient, pis c'est un peu comme le même effet que les shakai, you know? Mm. Hey, ça peut pas se faire toucher! Parce que si ça se fait pogner, c'est oh, un stock qui s'en va! It begins! Oh. Situation de tech! Oh, oh, mais oh boy, non. Le down smash de trop! Il y aura-t-il le punish? Parce que clairement, un punish sur un down smash qui est shieldé. Je sais que je vais l'essayer capable d'aller chercher, mais c'est difficile. Oh, il y aura-t-il le moulinet! Oh, tu sais, j'ai qui moulin après! Ça va souvent dépendre. Oh, huge knee! Ça, c'est le punish sur le dance match va toujours dépendre à quel point tu t'es fait tasser avec ton shield. Ouais, pis combien de hits t'as bloqué, parce que plus que tu bloques tard, moins t'as de frames disponibles pour faire ton punish. Ah, trop loin! Alors,